dear President, and dear members of the European Music School Union, dear participants and actors of the world of music and art education, first, let me greet you on behalf of the French Federation of Artistic Education. It's a great honor for us to welcome you today to the 46th European Forum. We do hope that you and your loved ones have remained in good health in spite of the global pandemic. If preserving people's health is an absolute necessity, it is worth stressing that within the art education community, we do share a common vision. I mean, culture and art education are essential to everyone's well-being and personal development. The transmission of knowledge and the sharing of our cultural heritage are both the keystone of our opening onto the world. This afternoon, in this brand new television studio of the Cité Mondiale in Bordeaux, together, we'll address the issue of music and art education in school and conservatories. I wish to express my gratitude to the EMU, to all our institutional and private partners, and of course, to all the participants, speakers, technical and management teams. Thank you. Our old French saying, impossible is not French, becomes, at least for one day, impossible is not EMU. Dear President, dear Philippe, thank you for working in support of the member of the EMU to contribute to the enrichment of music education in Europe. In order to achieve our goal together, we are working to promote the transmission of our musical heritage. Ladies and gentlemen, now I have the pleasure to introduce Philippe Dalarun, who will officially open the 46th European Forum of the EMU. I hope you will fully enjoy this session. Thank you. Merci, mon cher David. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, dear colleagues, dear partners. Under this ambitious title, Art and Music Education at the Heart of European Society, the European School Union, in partnership with the Fédération Française de l'Enseignement Artistique, aims to highlight the strong values we believe in. Art and music education has a special meaning today. During this pandemic that challenges all of us, an EMU survey in June 2020 showed that all music schools in Europe have maintained their teaching for their students by all means from the first day of the first lockdown last year. Indeed, for more than a year now, at the price of huge efforts, constant adaptations, health protocols, reinvention of pedagogy, acquisition or not of digital staff, elaboration of emergency training plans, and above all, cooperation and exchange of information between us, art and music education has remained alive in Europe. Not without concern about the decrease in student numbers in some countries, about the difficulties faced by families, about the tiredness of our teams, and about the resources that our schools need more than ever. But this collective effort to keep art and music education alive tells a lot about the nature of art itself. More than a hobby or even a passion, art allows people to express their deepest emotions and the absolute need to share beauty, spirituality, and culture. In other words, art and music are the essence of humanity. The European forums that EMU organizes each year provide an opportunity to learn from each other and from the vision of music education in different European countries. This forum aims to consider from different points of view the major role that art and music education can play, has to play in the 21st century, artistically of course, but also educationally, socially, as well as in terms of citizenship, inclusion and health, through French and European presentations and examples. The stakes are high. to imagine our art and music schools of tomorrow while respecting their local, regional and national diversity. To guarantee the access for all and the quality of our art and music education systems. To draw the profiles of the professionals we will need on a European scale. To transmit the heritage that constitutes our roots, but also to continue to open up to other cultures, to innovate and to create, and finally to convince of the vital importance of our schools in terms of democracy and access to culture for all. It is a very difficult but exciting challenge, and I thank you for being so many to participate in this forum. So, on behalf of the EMU and its 26 national associations, representing more than 6,000 music schools, 150,000 professionals and 4 million students in Europe, I would like to thank the French national, regional and local authorities for their warm welcome in France and in Bordeaux, this magnificent city from which this forum is being broadcast to 26 European countries. Many thanks to the speakers and our partners for their cooperation, in particular the Opéra de Bordeaux, as well as the Conservatoire de Bordeaux and the Pôle Supérieur de Bordeaux-Nouvelle Aquitaine. Many thanks to their directors, teachers and students who give us the great pleasure of performing, especially for this forum, which is for us a kind of revival. Thank you to the French magazine La Lettre du Musicien that will moderate our debates. And of course, I warmly thank the Fédération Française de l'Enseignement Artistique, a founding member of the EMU, its president, André Peyrègne, the members of the board, and especially my colleague and friend, David Lalaud, who has done a remarkable job with his team here in Bordeaux, Gironde, and Nouvelle-Aquitaine. And now I have the great pleasure to declare open the 46th European Music School Forum. Thank you for your attention. Thank you, dear Philippe. Merci, mon très cher Philippe. Monsieur Patrick Bobet, maire de la ville du Bouscat, et monsieur André Peyrègne, président de la Fédération française de l'enseignement artistique, vont maintenant nous délivrer un message enregistré. Le 46e Forum international de l'EMU vient d'être ouvert. L'une des villes organisatrices est la ville du Bouscat, dont vous êtes le maire, docteur Bobet. Effectivement, et l'occasion est trop belle pour vous souhaiter la bienvenue pour ce Forum 46e du nom. Remercie aussi peut-être notre directeur de l'école de musique du Bouscat, David Lalaud, qui a fait un travail remarquable d'organisation, de prévision. C'est quelque chose d'assez compliqué. Et donc je suis ravi de pouvoir accueillir, même si de manière virtuelle pour partie, ce 46e forum ici au Bouscat. Et dire peut-être à nos congressistes, si on peut les appeler ainsi, que ce ne sont pas tellement les réponses qui sont données qui sont importantes, mais les questions qui sont posées. Elles sont capitales et les réponses viendront en temps et en heure, et rapidement si possible. Merci, merci à vous, monsieur Bobet et monsieur Peyrègne. Maintenant, j'ai le grand plaisir d'accueillir pour ce forum monsieur Baptiste Maurin, qui est conseiller pour l'éducation artistique et chargé de la médiation culturelle à la ville de Bordeaux, cette magnifique ville que j'espère vous aurez l'occasion de venir visiter tous très bientôt. Il représente aujourd'hui monsieur le maire de Bordeaux, monsieur Pierre Hurmic. Merci de votre présence. Merci à vous. Et je vous souhaite bien entendu la bienvenue à Bordeaux et je vous la souhaite chaleureusement au nom de notre maire Pierre Hurmic. Je dois vous dire que tous collectivement ici, vous portez un espoir pour tous les Européens, tous les Français et tous les Bordelaises et Bordelais qui aujourd'hui sont confrontés à une situation pandémique complexe et qui pour autant ne doivent pas se déconnecter de ce qui fait notre cohésion européenne, de ce qui fait notre identité européenne, cette capacité à partager la culture, cette capacité à se construire une identité collective autour des émotions, autour du savoir et autour de tout ce qui nous a collectivement construit au cours des siècles. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir ici et je veux avoir une pensée pour tous les artistes, pour tous les enseignants qui ont continué, malgré la pandémie, à enseigner, à transmettre et qui sont allés dans les écoles, dans les centres d'animation, qui sont dans leurs établissements, et on en a des excellents à Bordeaux, pour former et continuer à transmettre pour que cette spécificité européenne forte continue d'exister. On a devant nous des enjeux majeurs, européens, nationaux, locaux à Bordeaux, et je pense que plus que jamais, dans cette période de notre culture et civilisation européenne, la culture doit être remise au centre, et sa transmission pour les jeunes et pour leurs parents aussi, parce que je pense que c'est un tout, doit être accentué. La montée des populismes partout en Europe existe, elle peut menacer une part de notre héritage culturel, elle peut menacer aussi une ouverture d'esprit. Il est donc impératif et nécessaire de donner les clés à tous ces jeunes pour qu'ils aiguisent leur libre arbitre et qu'ils puissent eux-mêmes continuer à faire perdurer la démocratie qui est si chère à notre continent. C'est pour moi un des axes fondamentaux. L'enjeu du numérique, des nouveaux médias, des nouveaux outils, des nouvelles pratiques de la culture aussi, est au cœur de cette sensibilisation nécessaire de toutes les jeunes et tous les jeunes, qu'ils soient bordelais ou qu'ils soient européens, sur le potentiel énorme que ça a de vecteurs culturels, de transmission, de partage, d'éveil et donc de liberté de conscience, mais aussi le danger qui peut exister autour des mauvaises utilisations de ces médias, etc., et des mauvaises utilisations de la culture et des référentiels culturels, qui peuvent aussi amener dans des gros travers. Et donc, il est important que l'enseignement, l'éducation artistique permettent de donner les bons outils, les bonnes clés, pour que chacun puisse se saisir de ces référentiels et se construire en tant que citoyen. Pour nous, à Bordeaux, il y a un sens particulier. On est une ville d'une très grande richesse culturelle qui, historiquement, a toujours bénéficié d'un croisement de population et donc s'est construit une identité vraiment très importante et très forgée. On a énormément d'infrastructures, d'équipements, et je veux les saluer ici, notamment des équipements municipaux qui sont en capacité de transmettre toute la richesse culturelle de notre territoire et qui font un gros travail auprès des Bordelaises et des Bordelais. Mais on a voulu aller plus loin avec la municipalité et je pense que c'est un débat qui doit s'ouvrir et comment permettre à tous les Bordelaises et les Bordelais de se réapproprier leurs outils culturels. On a donc ouvert des forums de la culture et dans ces forums de la culture, un volet sera dédié nécessairement à l'éducation artistique et culturelle. Pour moi, le sens est simple. Toute cette richesse culturelle doit permettre à toutes celles et tous ceux qui vivent dans tous les quartiers de Bordeaux de briser les interdits, de s'ouvrir tous les possibles et de se dessiner l'avenir qu'ils ont envie de se dessiner. Le sens de notre République et de notre démocratie, c'est de donner à chacun sa chance pour que chacun l'ait. Chacun doit pouvoir avoir tous les outils pour se la construire. Je suis convaincu que la culture, l'éveil culturel, est un moyen de créer une communauté collective qui dépasse énormément de frontières sociales, géographiques qui s'imposent à nous-mêmes. C'est le sens de la politique que nous avons envie de conduire et nous mettrons en œuvre dans les prochains mois et tout au cours du mandat différents outils pour s'assurer que toutes les Bordelaises et tous les Bordelais puissent en bénéficier et leurs parents également. Merci beaucoup pour votre engagement à nos côtés, Monsieur Maurin. Dans quelques instants, nous allons écouter attentivement un message du président du département de la Gironde, Jean-Luc Gleyze. C'est une institution qui est un partenaire incontournable des écoles de musique et des conservatoires sur notre territoire et qui soutient avec une grande bienveillance les pratiques artistiques. Monsieur Jean-Luc Gleyze. Bonjour à toutes et tous. Je suis heureux de vous adresser ces quelques mots en ouverture du Forum européen consacré à l'éducation musicale et artistique qui devait avoir lieu en Gironde, mais qui se déroulera finalement en visio, compte tenu du contexte sanitaire. Merci à la Fédération Française de l'Enseignement Artistique, à son antenne girondine, l'Union départementale des établissements d'enseignement artistique, l'UDA, pour leur implication. L'UDA est un partenaire essentiel du département de la Gironde pour mener notre politique d'éducation artistique et culturelle à laquelle nous sommes si attachés. Il s'agit d'accompagner les pratiques artistiques amateurs, et notamment musicales, pour permettre au plus grand nombre d'y accéder et répondre aux enjeux d'épanouissement individuel, d'expression artistique, de socialisation et de citoyenneté dans le respect des droits culturels. En se positionnant en tant qu'animateur de réseaux de professionnels de ce secteur, le département souhaite favoriser une offre d'éducation artistique équitable, un enseignement de qualité, contribuer à la dynamique des territoires et au soutien de l'emploi culturel. Le département de la Gironde anime une plateforme de coopération unique en son genre sur le territoire national, le groupe des écoles de musique, qui réunit toutes les têtes de réseau de l'enseignement musical de Gironde. Grâce à une plateforme numérique, mais aussi à une journée annuelle d'échange, les professionnels de plus de 200 structures peuvent échanger autour de questions telles que les cadres d'emploi, la formation, la coopération territoriale, l'accessibilité, afin de faire évoluer les pratiques. Au-delà de l'animation de ce réseau et pour favoriser l'apprentissage musical de tous, le département s'est associé au projet Demos, organisant la participation pour chaque dispositif de 2 groupes d'enfants de milieux ruraux accompagnés par nos travailleurs sociaux. En Gironde, en effet, nous tenons à faire de l'éducation artistique et culturelle un engagement fort dans notre politique éducative et citoyenne en direction des jeunes. Nous sommes convaincus que cela participe à la construction des citoyens de demain pour une société apaisée. École de musique et société, c'est justement le thème d'un des ateliers de ce forum. Je vous souhaite donc de très bons échanges et je vous dis à très bientôt en Gironde. Merci beaucoup, monsieur Jean-Luc Gleyze, pour ce message apprécié, je pense, de tous. Je donne la parole maintenant à monsieur Philippe Dorthe, conseiller régional, qui représente aujourd'hui monsieur Alain Rousset, notre président de la région Nouvelle-Aquitaine. La région, la culture, le patrimoine, les pratiques artistiques au sein de notre territoire sont, ont une dimension très grande et nous sommes très contents de vous accueillir parmi nous aujourd'hui. Merci, merci à vous toutes et tous. Je voudrais d'abord saluer... comment on dit, pas nos téléspectateurs, nos visio-spectateurs, nos web-spectateurs, enfin tous les amis d'Europe qui nous regardent en direct à l'ouverture de ce grand forum. Je suis très heureux à titre personnel, en qualité de conseiller régional, mais aussi en tant que représentant de notre président Alain Rousset, d'être parmi vous. En fait, sans qu'on s'en rende compte vraiment, on vit ensemble des moments très importants. D'abord un moment d'oxygénation au début, avec ce très beau spectacle, avec des musiciens extraordinaires, des danseuses qui nous ont réoxygénés, on a senti un vent de liberté, on en a bien besoin. Mais un moment important parce que c'est un moment qui fait partie d'une fondation de l'Europe qui a été un peu oubliée jusqu'à présent, c'est-à-dire de l'Europe société. L'Europe des marchands existe depuis bien avant... la constitution de l'Europe elle-même, elle existe depuis avant l'Antiquité. Et les marchands parlent la même langue depuis toujours. Et les peuples, malheureusement, on s'en est rendu compte dans l'histoire, n'ont pas forcément parlé la même langue parce qu'ils ne se sont souvent mal compris. Et je crois que le vecteur qui est le plus important pour arriver à créer une Europe sociétale, une société européenne humaniste, un des principaux vecteurs, c'est la culture. Quel que soit le sujet de culture. Là, nous sommes dans les arts vivants, la musique, la danse, mais toute autre sorte de culture, le patrimoine, la gastronomie aussi, enfin tout ce qui fait qu'il y a des cultures, et ces cultures doivent pouvoir se mélanger, s'entendre, se comprendre. La culture, c'est en fin de compte l'espéranto de l'Europe. C'est ce qui va permettre à toutes les Européennes, à tous les Européens de partager la même langue. Et il est important pour cela, eh bien, de former des formateurs qui vont amener les jeunes ou les moins jeunes à cette activité artistique, que l'on soit amateur, que l'on soit professionnel, que l'on soit âgé, que l'on soit jeune, de manière à pouvoir parler ensemble cette même langue. La région a dans sa mission principale la formation et participe grandement à la formation des maîtres, à la formation de ceux qui transmettent demain. Et c'est très important d'avoir ce pôle de formation ici à Bordeaux, en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, pour justement aider à cette transmission. Nous avons aussi des moyens de diffusion avec la MECA ou d'autres organisations qui permettent de faire en sorte que tout ce qui a été appris bien, soit diffusé. Nous sommes en France, à l'heure actuelle, dans une période électorale importante puisqu'il y a les élections régionales justement et les élections cantonales. Et je crois que, justement, c'est un grand débat, parce que moi, je suis un décentralisateur obsessionnel. Je crois que le global se créera du local. Il faut que le local se développe pour créer notre global, et notre global européen. Et je crois que la décentralisation donnait plus de pouvoir aux municipalités, aux communautés de communes, aux départements et aux régions, amènera plus facilement à parler ce même langage au niveau du global, et du global qui nous intéresse. Je sais que Baptiste Maurin pense comme moi, nous sommes des Européens convaincus, soit demain notre langue commune, la langue de l'Europe, l'espéranto de l'Europe, passera par la culture, quelle qu'elle soit. Merci beaucoup, monsieur Dorthe, pour ce message très optimiste et motivant. Vraiment, on est ravis du discours que vous avez partagé avec nous. J'espère que vous l'aurez tous apprécié. Maintenant, je vous remercie, très chers élus, très chers présidents, de votre discours. Et je vais accueillir sur le plateau Madame Edine Christophe, qui est directrice de La Lettre du Musicien et qui est un partenaire pour la FFEA privilégiée. Nous sommes très heureux de travailler avec ces grands professionnels qui mettent en avant vraiment la pratique amateur et professionnelle en France, les artistes, les enseignants. Merci infiniment de votre présence et de la modération que vous allez réaliser aujourd'hui. Merci David, c'est un honneur de participer à ces rencontres européennes, valeurs européennes qui sont également au cœur de la ligne éditoriale de La Lettre du Musicien, ce média que nous portons avec mon cher ami et collègue Antoine Pécœur qui nous rejoindra également pour modérer un peu plus tard. Donc merci de l'honneur que vous nous faites à nous, de nous associer à ces rencontres et on espère pouvoir servir au mieux le propos de cet après-midi qui est de donner des éclairages internationaux, d'échanger sur les bonnes pratiques et de trouver, si possible, quelques questions, mais surtout, en effet, beaucoup de réponses face aux difficultés que nous rencontrons. Et chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, je profite pour vous préciser que vous avez la possibilité à tout moment de partager vos questions. Nous avons besoin que cette rencontre soit au maximum interactive. Donc, n'hésitez pas, elles nous seront transmises. Car c'est un événement certes virtuel, mais avant tout collectif. C'est vraiment l'aspect humain de ces rencontres que nous essayons de véhiculer à travers cet événement digital.